Bonsoir à la famille, bonsoir à tout le monde, partagez, invitez vos amis. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Pas là, vraiment ça va échapper. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Je suis le Gangaba. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Attends, il supprime la vidéo là même. On va envoyer, j'ai écouté ça, même fini d'écouter là. J'ai balancé le son. Voilà, lui il est mort déjà. Bon, ça c'est mort. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Je suis le Gangaba, votre serviteur, un peu fatigué. Je suis tombé sur une vidéo de l'une de notre maman ou l'un de notre maman. Vous savez, Gangaba, c'est pas un homme qui est accroché à la langue de Molière. Petit Sénifo qui est déraciné quand même. Mais cela n'est pas ma faute. Ça se comprend en Afrique. Alors, ici, je vais saluer tous les Ivoiriens qui sont connectés ici. Soyez salués, Yubi, Yabi Louise, big respect à toi, Fofana, Fugocha. Soyez salués, Tornasoro, mon très cher grand frère, big respect à vous, Victor To, soyez salués, salué Kloubali, Père Nicolas, big respect à vous, Djedjo Koi, salut, soyez salués. Il y a qui d'autre encore, voilà, je crois que salue tout le monde, soyez salués, Soraya Kim, bon, elle, je ne l'ai pas vue encore, soyez salués, Yabi, hey, maman, très chère maman, les Pichéni connaît, qu'Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège, très chère maman, soyez salués, tous ceux qui sont connectés, permettez-moi, j'ai oublié d'envoyer la vidéo à ma grand-sœur qui ne veut pas échapper l'une de mes sorties là. Pardonnez s'il vous plaît.
Voilà, je crois que donc là-bas, il faut te taire d'abord. Parole va sortir tout de suite là. Voilà, il y a deux de mes mamans là qui ne veulent pas rater mes vidéos. Voilà. On va faire comme ça, c'est parti. Je commence à avoir chaud un peu là. Dans le pays là, en octobre, l'hiver n'est pas encore commencé. C'est fort. Alors ici, comme je vous ai dit, je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis. Sois salué, Dani, Dani. Big respect à toi, papa. Souriba Touré, soyez salués. Tous ceux qui sont connectés, je vous salue. Je suis extrêmement fatigué. Je suis tombé sur une vidéo de l'un de notre maman. Et la vidéo en question, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Ici en Italie, quand on me voit dans la rue là, on dit, on m'appelle plus Zouzou, peuple du Nord. Les gars là, quand ils me voient, ils m'appellent peuple du Nord. C'est-à-dire, mon nom est devenu peuple du Nord. Parce que ça fait bientôt 7 ans, je m'adresse à un peuple qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Et pour cela, les enfants du Nord ont été sacrifiés. Nos frères Senifo, nos frères Malinké, Tagbana, Djimini, Diamala, on a payé le prix pour l'arrivée d'Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Vu la situation actuelle, Soraya Kim, soyez salué, ma grande, big respect à toi. Je commençais à m'adresser à mes parents du Nord, en particulier nos parents Sénifo, qui ont sacrifié tous leurs enfants pour l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Attends, Ouattara au pouvoir, tous les cadres du Nord ont disparu. Ma maman Flo Mekapé, soyez salué. Ibrahim Kouloubali dit Ibé. Ouattara Sablé, Tonton Amadou Gon Kouloubali. Etc. etc. Je ne peux pas citer tous, mais tous ont trouvé la mort sur Alassane Ouattara. Certains moutons me diront, ah, Zouzou, ce n'est pas Dramane qui les a tués. Oui, c'est Dieu. Mais ça s'est passé sur le règne de Ouattara. Il faut être d'accord sur ça. Vous comprenez? Donc, depuis lors, je m'adresse à ces peuples-là. Au nom de leur dignité, ce qui vous reste là, c'est d'aller voir Ouattara. Demandez à Ouattara comment fait-il qu'on a pris des armes hier contre la République à cause de toi, pour que tu deviennes président. Nos enfants sont morts aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas morts dans la rébellion, beaucoup d'entre eux ont trouvé la mort sur le règne de Ouattara. D'autres sont en prison, d'autres en exil, d'autres sont exécutés. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à ces peuples-là? J'ai deux vidéos ici, une vidéo complète où Soro s'adresse à eux. On va exploiter ça. Et dans ça, là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Une petite vidéo pour remercier une maman. Une maman qui a enfin compris le combat de son fils. L'un des femmes du Nord qui a osé a interpeller le peuple du Nord au Nord. Nous allons lire les titres avant de vous faire écouter le discours en question et puis nous allons développer. J'ai écrit ici, merci infiniment à ma très chère maman. Le Pichini Kone, pour sa brillante intervention qui devrait éveiller la conscience de nos parents du Nord. Et ensuite, peuple du Nord, réveillez-vous. Maman Le Pichini Kone, que Allah veille sur vous, que Allah mette sa main sur vous, que Allah vous protège. Les discours que nous allons écouter aujourd'hui, je prie pour notre très chère maman. Parce qu'aujourd'hui, prononcer le nom de Diom Kibafori Soro publiquement en Côte d'Ivoire, en particulier au Nord, vous risquez tout ce qui n'est pas imaginable dans ce pays aujourd'hui, sur Alassane Ouattara. Ce qui est le plus regrettable, au Nord là-bas, il n'y a personne qui ose à s'adresser à Ouattara. Il serait ce qu'il lui demandait. Ouattara, qu'est-ce que nos enfants y t'ont fait? Ouattara ne fait que nous diviser. Il a divisé le peuple du Nord. Il a divisé les enfants du Nord depuis à la rébellion. Il les a montés l'un contre l'autre. À un moment donné, Gon Kloubali s'est pris violemment à son jeune frère, Soro Kibafori Diom. Son frère Ahmed Bayo, Ouattara a monté l'un contre l'autre. Je ne demande rien à nos parents du Nord aujourd'hui. Allez s'adresser à Ouattara.
Demandez à Ouattara le retour de votre digne fils qui a échappé à la mort. Ce ne s'est pas retrouvé en exil par plaisir. Ouattara voulait la tuer. C'est Dieu qui l'a sauvé. Je le discute ici. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla. C'est Dieu qui m'a sauvé. Le jour où Ouattara a tenté de m'assassiner, mon avion a atterri en Espagne, presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, il s'adresse à ses parents du Nord. L'heure est arrivée que vous partez voir Ouattara. Il serait ce qu'il lui pose la question. Qu'est-ce que les enfants du Nord qui ne sont pas morts dans sa rébellion de merde là, qu'est-ce qu'on lui a fait? Réclamez le retour sécurisé de votre fils Diom Kiba Forissoro en Côte d'Ivoire. Demandez la libération de tous les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, en particulier celles des générations et peuples solidaires. Voilà ce que j'ai envie à mes parents du Nord. Hier, prends une balle dans sa tête pour Ouattara, c'était rien pour nous. Avant de nous engager dans cette rébellion-là, on a demandé qu'est-ce que nos parents pensaient. Le peuple du Nord, ils ont adhéré dedans. On nous a dit d'aller. On a leur soutien, leur bénédiction. Il nous a protégés dans cette rébellion. Je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, tout le monde ne peut pas s'asseoir comme ça pour regarder Ouattara. Le Seigneur connaît, soyez salué. Très cher maman, les Picheni, que Allah subhanahu wa ta'ala, Nadullah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, on prie le bon Dieu. Le seul Dieu qui nous reste ici, que Allah met sa main sur vous, que Allah vous protège. J'espère que ce discours qui a été tenu à Lapogo Kaha, dans le village de Soro Kiba Foridom, puisse éveiller la conscience du peuple du Nord, en particulier le peuple Sénifo. Oui, je ne reconnais plus mes parents du Nord. Je ne reconnais plus mon peuple Sénifo, qui sont restés silencieux face à l'exécution de tous leurs enfants. Le seul survivant, il est en exil. Très chère maman, merci beaucoup à vous. On va écouter la vidéo et puis on va décortiquer ensemble. Je suis content qu'enfin, une femme digne, c'est une faute du Nord. Ils sont nombreux maintenant qui comprennent mes combats. Qui ont compris enfin que l'heure est arrivée de se unir, de se mettre ensemble. Constituer une délégation pour aller voir Ouattara. Diom Soro n'a pas sa place ici. Jamais. Il n'a pas sa place ici. J'ai deux vidéos après ça exploitées. Ceux qui disent qu'il n'a rien fait pour Ouattara, on va y regarder. On va regarder Diom Kiba Forissoro en train de s'adresser à nos parents du Nord. Et après ce discours-là, j'ai commencé à interpeller nos parents du Nord d'aller voir Ouattara. Les BT, ils ont accédé au pouvoir en Côte d'Ivoire sans aucune rébellion. Les Baoulés, pareil. Le peuple du Nord. On l'assumait, hein. Je vois des petits joulas, des moutons, des dramans là. Oui, nous on était traités ici comme des animaux. Voilà, nous on n'est pas bêtes, hein. On ne peut pas vomir et puis encore manger ça. Mon frère, tu n'as pas faim. Tu n'es pas en train de mourir de faim. Sinon, ce que tu as vomi là, tu vas avaler. C'est ce que nous on vit aujourd'hui. Le combat n'a pas été trahi, jamais. Si on avait trahi la cause, Ouattara ne sera jamais président en Côte d'Ivoire. Sous le règne d'Alassane Ouattara, mes parents du Nord sont devenus le peuple le plus misérable. Une poignée de personnes qui vivent bien, qui sont d'accord avec Ouattara. Les maisons sont cassées, les mosquées sont détruites, les petits commerces sont détruits, les enfants sont en train de mourir dans l'eau pour venir. Petit Jula dit encore que lui, si Ouattara ne peut pas vomir, pour ramasser. Parce que hier, lui, il était traité comme un animal. Les véritables animaux, si Ouattara, c'est nous. La vidéo, elle est ici. La fille d'Alassane Ouattara l'a dit. Le peuple du Nord sont traités comme des véritables animaux. 95% de leurs enfants sont morts dans sa rébellion de merde là. Oui. 5% ont été exécutés sur Alassane Ouattara. Le reste sont en exil. D'autres sont en prison. Soro Konyo a été égorgé à Korogo sur Alassane Ouattara sans qu'aucun parent sénifo puisse s'adresser à Ouattara. Lassina Kloubali, le superviseur de Konete Fou, a été égorgé à Bobo. Simple élection municipale, pas par Laurent Gbagbo. Il n'était plus au pouvoir à qui nous avons combattu. C'est sur Ouattara. Les Soul Toussoul sont en train de mourir en prison. Que Allah les protège, Kader Doumbia Herman Kone. Maroua Kole Beni, quelle humiliation pour nos parents du Nord. Diom Kiba Forissoro et ses camarades sont en exil après d'avoir échappé la mort. Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Qu'il ne faut pas en parler de ça, parce que nous on est petits du là. Non, je ne suis pas dedans.
Je ne suis pas dedans. Je n'ai pas. 19 septembre 2002, pour moi, c'était hier. Et le film, ça est encore dans ma tête. Je n'ai pas oublié. Ça ne peut pas marcher. Très chère maman, les Picheni, que Allah veille sur vous, qu'Allah vous protège. On va écouter le discours ici. C'est trop doux. J'ai aimé. J'ai téléchargé. J'ai gardé dans le congélateur. J'ai fait sortir ce soir. On va écouter ensemble. Une femme digne du Nord. Une femme digne du Nord qui a osé où on ne peut pas parler. J'espère que le discours là va éveiller la conscience de nos parents du Nord. Maria qui a flyé. Dans le pays là, on ne peut pas regarder quelqu'un pour parler après Ouattara. Si les choses venaient d'être finies comme ça là. Jamais on ne peut pas. Aïta Ouattara voir. On va écouter la vidéo ici. Très chère maman, quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. À flâner. La politique se fait autrement. On ne vous dit pas parce que le RHDP est venu vous saluer qu'un soriste doit venir, vous ne devez pas le recevoir. Le parole vient doucement, doucement. Là, on est dans le village de Soro qui va fourir au cœur du nord de la Côte d'Ivoire. On a pris, le maman a pris la parole. Ce que les gens ne veulent pas dire là, il faut qu'on dise. La politique se fait autrement, on n'est pas oublié hier. Vous comprenez? On n'est pas oublié hier. Les Margouya peut dire que lui ne connaît pas Serpent. Vous comprenez? Kaïma le connaît. Vous comprenez? On ne vous dit pas. La politique se fait autrement. Au nord, là-bas, partout, aujourd'hui, où RHDP a mis pied là, quand il s'envole, un soriste vient là, tu vas te retrouver seul, en bas de Fatam. Au nord, tout le monde a peur. On a oublié hier. Yeah. Donc, si on les reçoit, on dit, mais vous avez reçu les soristes, il n'y a plus goutron, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus l'eau. La dignité humaine est au-dessus de tout ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Écoutez la vidéo, on va avancer. C'est trop doux. J'ai aimé. Pangaye Tchengaka. Mba angur gumien Tchengaka agi. Allahu akbar. Pangaye RHDP oui. Appel ken ka odo. Mwa siya ou. Oti. Langue locale. Il n'y a plus de cachette dedans. Je connais bagage qui est loup. C'est Bella qui fait semblant. C'est de ça qu'il s'agit. Elle s'exprimait devant nos parents du Nord. Nos parents, c'est Nifo. Langue locale. Elle va parler. On ne vous le dit pas. Parce que le RHDP est quitté ici. Le soriste vient. Malgré que tu n'as pas à manger, on vient te donner ça, dire, tu fuis pour te cacher. Pour le paquet, le pouvoir central va savoir que toi, papa, tu as reçu un soriste. Mais hier, le nom de Soro était le nom de Jésus en Côte d'Ivoire. Au nord, là-bas, le nom de Soro était, je ne sais pas comment il faut qualifier, la dignité humaine est au-dessus de tout ça. Vous avez oublié, on a pris les armes. Le 19 septembre 2010, je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour ne pas quitter mon poste tant que je n'ai pas donné carte d'identité ivoirien à mes parents du Nord pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Vous avez oublié ça? Et aujourd'hui, c'est ces parents du Nord-là qui se cachent pour recevoir les soristes. Non, nous ne sommes pas d'accord. Soro, c'est Soro. Draman, c'est Draman. On se connaît, on sait ce qui s'est passé. La dignité d'un être humain, la dignité d'un être humain est au-dessus de tout. Vous comprenez? On va écouter la vidéo ici. C'est trop doux. Allons-y, maman. Vous dites quoi? Un règne a toujours une fin. Allahu Akbar. Il y a trois choses qu'on ne peut pas bannir. Attends, maman, c'est... les moutons n'ont pas compris. Un règne a toujours une fin. Il y a trois choses qu'on ne peut pas bannir.
c'est la vieillesse, la maladie, la mort même là. Là, la personne ne peut arrêter. Et vous dites que quand un chef est là, tôt ou tard, il est appelé à partir. Donc, levez-vous, chère population de la Bokopa. Priez pour votre fils. Priez pour son retour. Et priez pour sa santé. Ah! Hey, maman! Kala veille sur vous. Kala vous protège très cher, maman. Ça fait 7 ans que je suis ici. Je n'ai pas vu une femme du Nord tenir un tel discours. Jamais. Ça là, ça dit que tu n'as qu'à être mouton comme à comme là. Tu dois comprendre ça sans que maman vienne te dire. Il y a 3 choses dans la vie là. Tu n'as qu'à être animal comme à comme. Tu ne peux pas empêcher ça. Tu dois comprendre la vieillesse, la maladie et la mort. Un chef là, il est chef. Il n'a qu'à être puissant comment. Un jour, il a appelé à partir. Mouton, comprends ça. Chef parent du Nord, elle dit, levez-vous. Levez-vous pour faire quoi? Pour aller voir Dramani. Levez-vous, priez. Pour le retour de votre fils d'homme qui va forer sur eux. Priez pour sa santé. J'ai été soulagé. 7 ans, je n'ai pas entendu ce discours-là dans la bouche d'une femme du Nord ni un garçon du Nord. C'est de ça qu'il s'agit. L'ère arrivée, il faut que ce peuple hier, qui se disait qu'ils étaient traités comme sous-hommes en Côte d'Ivoire, aujourd'hui personne n'ose non seulement s'adresser à Dramani Ouattara, ni même faire passer un message à nos parents du Nord. Tout le monde a peur, tout le monde se cache. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Si on avait peur hier, si on se cachait hier, Ouattara allait devenir président d'un pays là, jamais. Voici un peuple qui a dit à leurs enfants, allez-y mourir. Mais faites tout possible à ce que Ouattara devienne président en Côte d'Ivoire. J'ai une vidéo ici, je vais exploiter. Je voulais exploiter une vidéo de maman là. Je dis non, les deux ne peuvent pas aller ensemble. Je dis, vous allez écouter. Les animaux, ils ont décidé de détruire ma page Facebook. Je m'en fous. Nous, on est ici. Même si nous sommes 5 personnes là, connectées, nous allons continuer la marche. C'est ce que Soro Diom a dit. Même si nous sommes 10, on va continuer. Maman Flore Mekapé. Enfin, c'est vous qui parlez beaucoup, beaucoup. Celle qui est là, la maman Flore Mekapé, c'est une femme Yakuba. Elle n'est pas Sénifo, elle n'est pas Djula, mais elle dit Soro Diom. Elle prend la parole publiquement. Nos mamans, on prit la parole. Dramani n'est rien. Il faut que Soro retourne dans son pays. Allez-y voir Ouattara. Levez-vous, rappelez à Ouattara l'histoire de son événement au pouvoir. C'est pas compliqué. C'est même pas difficile. Fils de Kabri, tu mets tel de moi ici. J'ai fini, j'ai tenté en même temps. C'est ce que j'ai dit ici. Là, je ne suis pas en train d'insulter ton papa ni ta maman. Je m'adresse à Ouattara et remercier ma très chère maman qui a pris la parole. C'est de ça qu'il s'agit. Maman Douchka, voilà. J'ai fini d'envoyer cet animal-là au cimetière. Dramani n'est rien, c'est nous, on l'a mis au pouvoir. Vous comprenez? Il a trahi le peuple du Nord, il a trahi le peuple ivoirien. Il a massacré tous nos frères dans sa rébellion de merde-là. Une fois président encore, tous les cadres du Nord ont disparu sur Ouattara. Quelle honte pour mes parents, quelle humiliation. Soro Kognon, égorgé à Koroko. La Sina Kouloubali, égorgé à Abobo. Tonton Amadou Gon Kouloubali, disparu dans une situation bizarre. Ahmed Bagayogo, une semaine qu'il est malade, il est parti. Ouattara Saab Belebeleba, Ibrahim Kouloubali dit Ibe. Avant que Ouattara même prête serment, il a tué Ibe. Djom Kibafori, il voulait la ligoter, c'est Dieu qui l'a sauvé. On se pose la question, c'est Dieu qui décide, hein? Oui, c'est Dieu. Ça c'est en arabe ça, je vais vous dire en français. Chaque âme, toute âme goûtera la mort, c'est Dieu qui décide. Mais on se pose la question, comment tous les cadres du Nord ont disparu sur Ouattara? C'est là le vrai point, l'animal. Sinon, quand on dit c'est Ouattara qui les a tués là, c'est ça. Vous voyez, je suis assis devant vous ici là, je touche le bois, je tombe tout de suite là. Quand ils vont venir là, oui, Gangaba était en plein direct, il est tombé. C'est pas fini, hein? Non, non, non. C'est là que le travail commence. Gangaba, il souffrait de quoi?
Madame lui a donné quoi à manger avant de lancer le direct? Qu'est-ce qu'il a bu, il a mangé avant le... C'est-à-dire, on met tout ça ensemble en conclusion. On dit, ben là-bas, il a bu un jus d'orange là qui n'était pas bien pour lui. C'est fini. Et tous les cadres du Nord qui ont trouvé la mort, Draman a refusé qu'on ne fait pas étoxie ici. Il a refusé l'autopsie. C'est lui qui les a tués sur les yeux du peuple du Nord. Le Nord tue le Nord. Le Nord emprisonne le Nord. Le Nord renvoie le Nord. Sur les yeux du peuple du Nord. Enfin, une maman a pris la parole. On va écouter la vidéo. C'est pas bon. J'espère et je prie Allah, le bon Dieu, que cette vidéo va éveiller la conscience de tous les peuples du Nord. Allons-y, maman. Quand un chef est là, tôt ou tard, il est appelé à partir. Donc, levez-vous, chère population de la Bokopa. Priez pour votre fils. Priez pour son retour. Et prier pour sa santé. Merci maman, c'est pour... pas ça seulement. Le peuple de la Poroka, allez, levez-vous pour aller voir Draman. Demandez à Ouattara où se trouve votre fils. J'ai publié une vidéo avant-hier. Très bon reportage, je vais exploiter la vidéo. On ne sait pas où votre fils se trouve. Allez-y voir, levez-vous. Allez-y voir Ouattara. Demandez à Ouattara où ce rhodium se trouve. Où il se trouve. On veut en savoir. Ouattara va vous dire, il est ici, demandez son retour. Mais en attendant, maman vous demande de prier pour sa santé, de prier pour son retour. Très chère maman, merci beaucoup à toi, à vous. Allons-y, Lévi, maman. Pour qu'il vous revienne en bon état. L'enfant sera tout petit. Et si vous savez vous prendre, même avant que ce rôle rentre, vous pouvez bénéficier de beaucoup de choses. Parce que les gens que vous voyez assis, cette délégation, on a eu plus de petits problèmes. Il y a eu des décès. Korogo n'est pas venu. D'autres aussi qui voulaient venir. Il y a des décès ailleurs. Vous dites que quand quelqu'un aime quelqu'un... Pourquoi Korogo n'est pas venu? Draman a osé à diviser mon peuple. Le peuple, c'est une fois, a été divisé. Je ne reconnais plus mon peuple. Le peuple Senifo était le symbole de dignité et la fierté. Ouattara a réussi à diviser ses peuples. Il y a eu décès à faire que Korogo ne vient pas. C'est sur Ouattara. Allahu Akbar. Levez-vous, allez-y voir Draman. Trop de mal, trop de sel dans sauce, sauce est gâtée. J'ai le profond regret aujourd'hui. De voir les enfants du Nord par pied dans le monde, d'autres en prison, d'autres sont morts. Sur Alassane Ouattara. Au Nord, là-bas, il n'y a personne qui peut s'adresser à lui. Il serait ce qui fait passer un tel message. Très chère maman, qu'Allah met sa main sur vous. C'est le fruit des combats de son fils Gangaba. Ça fait 7 ans que je suis dedans. Ici, là, quand mes amis Goy me voient, peuple du Nord, tu vas bien, peuple du Nord. Tellement je les ai interpellés. Je leur ai dit tous les mots graves, tous les mots négatifs. Mais ces peuples-là sont assis comme des... C'est-à-dire, je ne sais pas comment il faut qualifier. Tiens, dis à tes enfants, le Bagua a pris le pouvoir ici, là. Les jeunes bêtés, ils ont créé une rébellion pour que Bagua tienne le pouvoir, non. Papa a dit qu'on a bêté que son âme repose en paix. Il a pris le pouvoir par la constitution, il n'y a pas de rébellion dedans. Il faut le dire, il faut l'assumer. Le Nord complet se sont mis ensemble. On s'est levé comme un seul homme. D'abord contre la République et contre mon papa Laurent Gbagbo pour qu'Alassane soit président. Avec les armes à la main. Qu'est-ce qui n'est pas marché aujourd'hui? Son Excellence, on ne sait pas où il se trouve. Ouattara, que ton âme repose en paix. Ahmed Bagayogo Gon Kloubali. Soro Konyo Lassina Kloubali. Commandant Ibrahim Kloubali dit Ibé. Ahmed Bagayogo. Tous les cadres du Nord. L'espoir de Ouroba. Ahmed Bagayogo a été ligoté. Oui, oui, oui. L'espoir de Poro. Draman voulait ligoter l'espoir de Ambol et de Tchologo. C'est Dieu qui l'a sauvé. Je vous ai dit ici. Ouattara va quitter au pouvoir. Ouattara va disparaître. Ouattara va quitter ce monde. Dieu ne va jamais livrer son excellent homme qui va fournir sur Ouattara par rapport à ce qu'il a fait pour lui. Parole de livre saint de l'islam. Vous comprenez? Peuple du Nord, l'air arrivé pour vous. J'étais content.
de voir une femme digne du Nord, une femme sénifo, s'adresser à ses parents comme ça. Maman, merci. On va écouter un chef. Quand il est là, tôt ou tard, il est appelé à partir. Tôt ou tard, il est appelé à partir. Draman même a dit ça. Oui, j'ai la vidéo ici. On lui a posé la question. Et si vous croyez une alternance un jour? Il a dit, mais bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Mais quand l'alternance va venir demain matin là, demain matin, l'alternance n'a qu'à venir. Dieu est capable de mettre fin sur le règne du RHDP demain matin. L'alternance vient demain matin. Mes parents du Nord qui ont pris les armes au nom de Ouattara. Ouattara a tué tous leurs enfants. Le seul survivant est en exil. Et puis l'alternance vient. Hey, vous savez ce qu'ils vont dire? Mais vous nous emmerdez à cause de ce robot. Votre gars même était là. Est-ce qu'il lui est fait rentrer? C'est-à-dire, on est mort à jamais. Oui, oui. Vous êtes mort à jamais. Mais qui est ce robot? Mais votre gars même était là, il a massacré les Ivoiriens. Vous l'avez soutenu dans tout. Pourquoi vous n'avez pas demandé à Draman de faire retourner ce robot? Vous venez me demander? Si l'alternance vient demain, dans telles conditions, vous ne serez plus jamais sauvé dans le pays-là. Levez-vous. Allez-y voir Ouattara. Levez-vous, priez pour sa santé, priez pour son retour, exigez le retour de Soro à Ouattara. Ouattara était en exil, c'est Gbagbo qui lui a fait venir. Ça coûte quoi à Ouattara demain de faire venir Soro Bojo? Viens, occupe-toi de ton GPS. Moi, je ne te vois même pas. Pays est dans ta main, pays est barricadé, tu as tout, tu as quel problème? Aujourd'hui, le pouvoir de Ouattara n'est pas menacé par qui que ce soit. Il dirige la Côte d'Ivoire avec un main de fer. Ça te coûte quoi de faire rentrer ce robot? Viens, comme il y a longtemps, tes gars là, ils babardent là, viens. Voilà, équipe-toi de ton GPS. Moi, je ne te vois même pas. Ouattara n'a qu'à faire ça. Il n'a qu'à faire ça. Demain matin, on va voir. Et s'il ne veut pas faire ça, depuis en 2019, il est en exil. Bientôt 5 ans. Nos parents disent non. Vous savez ce qui justifie mon mal aujourd'hui? C'est-à-dire, quand je pense que nous, c'est avec les armes, au prix de notre vie, à cause de Ouattara, les enfants du Nord sont tombés, tout le monde est mort. Après Ouattara au pouvoir, tous les cadres du Nord sont disparus. D'autres en exil, d'autres en prison. Sur Alassane Ouattara, non, sur mon papa Laurent Gbagbo, ça là, moi, il ne comprend pas. Voici ce qui me met en colère tous les jours. Viens au RHDP, je ne viens pas. C'est fini, c'est tout ce que nous, on connaît. On s'est battu ici, là, pour la liberté, pas pour venir nous forcer à militer à un parti. C'est tout. Il faut que Draman et ses moutons là comprennent ça. Alors, allons-y, maman. Ouais. Pas facile de donner à ses frères. La première fois, les oreilles se retrouvent, pas une première fois, mais pour un don. Si la chose est bien faite. Et puis je vais remercier nos parents de la Fukuoka qui ont accepté même d'accueillir les Suroïs ici Ouattara. Parce qu'au nord là-bas, là, n'importe quelle délégation de Suroïs, on doit venir faire le don, mais vous donner cadeau même là, manger pour manger là. On dit non. Chacun a peur. À cause de quoi? Ils ont oublié peut-être hier. C'est-à-dire qu'ils vivent dans la misère. Tu n'as même pas à manger, on vient te donner sac d'irondie. Il y a les cerises qui viennent, ils vont venir vous donner rien à manger, cadeau. Toi, tu te caches. Bon, si il y a un palais, on dit tu insultes les gens. Ça, c'est la malédiction, ça. On vient te donner livre, cadeau. On te donne à manger, cadeau. Et toi, tu te caches parce qu'il y a un nom de sereau dessus. Ouattara va te manger. Tu as oublié hier. Si tu attends Ouattara, là, c'est sereau. Il ne faut pas oublier ça. Vous comprenez? J'ai une vidéo ici, là, vous allez voir. Hein? Écoutez, maman. Non, c'est dommage. Félicitations, très chère maman. On viendra vous donner plus gros, 3 fois plus gros que ce que nous sommes en train de donner. Voilà. Soyez unis, peuple de la FOPO. Hein? Soyez une seule personne. Voilà. Et parlez le même langage. Hein? Parce que c'est dans l'union qu'on fait de grandes choses. Parce que Draman a tellement divisé le Nord et le Nord-Est. Maman interpelle nos parents
Ne soyez pas divisés. C'est sur Ouattara, je vis, ce n'est faux pro Ouattara, ce n'est faux pro Soro. Je connais mon peuple. Et c'est sur Ouattara. Ce n'est faux, ce n'est faux pro bon, ce n'est faux pro Soro, ce n'est faux pro Ouattara. Il a cassé le Nord, il a divisé le Nord. C'est-à-dire qu'il a divisé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Ça, je vais laisser ça. Mais Ouattara a réussi à diviser le Nord. Il a divisé le Odjeneka. Il a divisé le Sénifo, le peuple Sénifo. Il a divisé le peuple Tagbana. Ouattara, soyez unis, parlez du même langage. Un chef de village qui a peur de venir s'asseoir pour accueillir des gens qui viennent vous donner à manger. Parce qu'on dit c'est le cerise là. Toi, chef de village qui a peur de sortir, tu n'es pas un chef de village. Tu n'as même pas un sénifo. Oui, oui. Chef de village, c'est du jamais vu. Soyez humble. Rappelez-vous de demain. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. C'est ce que maman a dit. Un chef, quelle qu'en soit sa puissance, quelle qu'en soit sa manière de gouverner des êtres humains, un jour, il est appelé à partir. Comprenez ça. Draman n'est plus là demain. Qui sera l'espoir du peuple du Nord? Tu ne peux pas me dire Ahmed Bayo. Tu ne peux pas me dire Gonk Loubali. C'est Soro Diom. Ils étaient trois sur la liste. Oui, oui. L'espoir des Nordistes, c'était trois personnes. D'ailleurs, c'est ce qui a angoissé Ouattara. Et puis, il s'est débarrassé de... Le peuple du Nord, mes parents rêvaient toujours. Après Ouattara, c'est Gon. Après Ouattara, c'est Soro. Après Ouattara, c'est Ahmed. Ça a fini pour déranger Ouattara. Ouattara a dit, mais pourquoi c'est là, ils sont pressés pour me succéder à leurs enfants. Transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Ouattara ne dit plus ça. Parce qu'il n'y a plus de nouvelle génération. Il a fait rêver mes parents que lui va transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mais en réalité, Ouattara était dans son plan machiavélique. Il dit, bon, voici un peuple que j'ai payé les armes pour leur donner, pour leur liberté. Aujourd'hui, ils sont pressés pour que je quitte au pouvoir pour laisser la place à leurs enfants. On va voir qui est qui. Il les a ligotés one by one. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Sero ki ba fori jom. Draman, tu ne peux pas. Moi, je suis serein. Tu ne pourras jamais. Mets la main sur lui. Il a... C'est-à-dire, ni l'assassiner, ni l'attraper. Il a trop fait. Ce que Soro a fait pour Ouattara, tout ce qu'un homme peut faire pour un homme, Soro a fait pour Ouattara. Nous avons mené trois batailles, trois guerres, trois combats pour Ouattara. La guerre, la bataille de sa naturalisation, pour qu'il soit reconnu comme Ivoirien, là, c'était la guerre. Papa Laurent Gbagbo a fini pour accepter en 2004 qu'il est Ivoirien. On dit, bon, comme tu dis, il est Ivoirien, nous on veut qu'il soit candidat. C'était notre guerre. On allait à Pretoria, Gbagbo dit, bon, j'accepte qu'il est Ivoirien. C'est dès comment on a gagné. Bon, il est Ivoirien, il peut être candidat. Dit à Draman de se débrouiller, il dit non. Pour être candidat, on a mené notre guerre. Gbagbo dit, il est candidat. Vous comprenez? Soro a mené trois guerres pour Ouattara. Peuple du Nord, réveillez-vous, écoutez ça. Trois guerres. Pour que Ouattara soit reconnu Ivoirien là. Soro a mené la guerre pour ça. Gbagbo a accepté qu'il est Ivoirien en 2004. Notre combat devait s'arrêter là. On dit non. On ne dépose pas les armes. Comme tu dis qu'il est Ivoirien, nous on souhaite qu'il soit candidat en Côte d'Ivoire. On allait à Pretoria à Gbagbo. Mon papa a signé qu'il est candidat. On devait déposer les armes. On dit non. On allait aux élections. Draman n'a rien gagné. Là, on a mené notre bataille encore avec la France pour l'installer au pouvoir. Voici les trois combats qui seront amenés pour Ouattara. Les moutons de Draman vont venir me faire croire que Soro n'a rien fait pour Ouattara. Vous comprenez? Des véritables animaux. Ils vont venir me faire croire que Soro n'a rien fait pour Ouattara. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, on va continuer. Grand frère, Sanor Ibrahim.
Et Godin. Alors, maman. Cher chef de village, je ne te connais pas aujourd'hui. Elle s'adresse au chef de village maintenant. Vous comprenez? Oh my God, Facebook. Oh. Facebook, ils ont commencé leurs bêtises là encore. S'il vous plaît. Hein. Attendez, voilà. On a fait beaucoup de choses ensemble. On a fait beaucoup de choses Merci ensemble. Merci aussi pour tes encouragements. Il ne faut pas oublier ça. Secrétaire général de la mutuelle, vous faites de grandes choses. Cher chef de village, je ne te connais pas aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses ensemble. Très cher chef du village, je ne te connais pas aujourd'hui. On se connaît, papa. Ce n'est pas à cause des RHDP ou à cause des Draman. Tu vas faire comme si on ne se connaît pas ou tu vas te cacher. On se connaît il y a longtemps. On a fait beaucoup de choses ensemble. Il ne faut pas oublier ça, Olivier. Maman, elle a parlé en diplomatie. Moi, je ne suis pas parti à l'école. Pour moi, il n'y a pas de diplomatie dedans. Cher chef de village, on se connaît il y a longtemps. On a fait beaucoup de choses ensemble. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Ce n'est pas à cause du RHDP, à cause des Draman, que tu vas dire que tu ne me connais pas ou tu ne connais pas ce rôle ou bien vous n'allez pas nous accueillir. Peuple du Nord, affichez-vous. Levez-vous. Adressez-vous à Draman comme un seul homme, comme on a fait contre Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? Alors attends. Oh, je vais pingler compte. Vraiment. Bloqué là-bas, c'est pas grave. Ma vidéo est bloquée là. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, maman. Merci pour tes encouragements. Secrétaire général de la mutuelle, merci aussi, merci à tout le monde. Et vous dit, je suis venu, mais je reviendrai. Parce que moi, je suis d'une partie de l'AFOPO. Vous savez. Je suis venu et je reviendrai. Oui. Merci, maman. Félicitations. Merci. Vraiment, c'est un don de livre pour amener nos enfants à aller à l'école, à aimer l'école. Parce que aussi, on se dit par moment que les enfants sont inconscients. Pas du tout. Les enfants sont plus conscients que les plus âgés. Parce que quand l'enfant vient en classe et que peut-être le maître le gronde pour un manque de cahier, un manque de bic, l'enfant perd son honneur. Et cet enfant, comment vous voulez qu'il aime l'école? C'est pourquoi nous avons décidé de venir aider nos parents dans leurs difficultés et leur dire de prendre leur mal en patience. Merci, maman. Merci, je vais m'arrêter là et vous dire merci pour l'accueil. Je suis venu, je reviendrai. Merci. Merci, tout Merci beaucoup, ma très chère maman, le Picheni, le Pichien Kone. Merci, merci pour cette brillante intervention au fief du nord de la Côte d'Ivoire. Dans le village de son excellence, Diom Kiba Fouri Souro. Merci beaucoup, ma très chère maman. Je pense et je rêve que cela puisse être le début de prise de parole de nos parents du Nord, de la Côte d'Ivoire, qui ont sacrifié tous leurs enfants hier pour Alassane Draman Ouattara. Je ne peux pas concevoir, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain, tout ce que nous avons fait pour Ouattara, Draman est au pouvoir, Diom Souré est en exil. Draman est au pouvoir, Souleymane Camara était saoul tout seul et en prison. Je ne peux pas concevoir que Ouattara est au pouvoir. La Côte d'Ivoire est dirigée d'une telle manière. La démocratie, la liberté que nous avons rêvé autant. Qui est libre en Côte d'Ivoire aujourd'hui de parler?
On a prié la libération de notre frère Peter 007 qui faisait ce que j'ai fait là, qui dénonce, qui critique. Pour cela, il s'est retrouvé en prison. Aujourd'hui, je rentre en Côte d'Ivoire, je serai exécuté. Comme ça. Parce que je critique leur Dieu Alassane Ouattara. Mais Alassane Ouattara, là, je fais partie des gens qui l'ont installé au pouvoir. Moi, je peux critiquer. Toi, animal, là, tu ne peux pas. Parce que tu as connu Ouattara lorsqu'il était président. Moi, j'ai connu Ouattara lorsqu'il ne pouvait pas être un simple maire en Côte d'Ivoire. Ils sont venus me dire, Zouzou, prenons les armes. Si Ouattara devient président, le Nord sera développé comme le Manhattan, le Canada, l'Australie. Aucun jeune Ivoirien va partir mourir dans l'eau. Tous les jeunes du RDR vont trouver du travail. La Côte d'Ivoire sera le paradis sur terre. La liberté, la démocratie et la justice vont régner en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire, ni la liberté, ni la démocratie. Donc moi, il est mon droit et mon devoir de venir critiquer ce que j'ai combattu hier qui n'a pas marché. Et le pire, nos grands frères qui étaient devant ça là, ils sont tous morts. Le seul survivant parmi eux et ses camarades sont en exil. Son excellent homme qui va fourrer sur eux. C'est lui qui a attrapé Maître Ouattara pour l'installer au pouvoir. Il en exil sur Ouattara après d'avoir échappé tentative d'assassinat. Condamnation 20 ans à perpétuité. Cela se passe sur les yeux de nos parents du Nord. Ce qui nous a dit hier d'aller mourir pour Ouattara. On me dit, il faut te taire. Sur ça là, je ne peux pas. Donc, maman, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé cette sortie. Tu as parlé en diplomatie, c'est normal. Vous êtes des politiciens, vous êtes partis à l'école. Vous ne pouvez pas vous exprimer comme moi. Mais ta sortie, j'ai analysé, j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai décortiqué. L'essentiel a été dit. L'essentiel. C'est-à-dire, discours de 3 heures, tu as résumé ça en 4 minutes ou en 3 minutes. Voilà. Discours ça là. Ce discours de 3 heures, lorsqu'on veut s'adresser à un troupeau de moutons, ton discours, pour les convaincre, pour les faire comprendre, ça vaut 3 heures. Tu vois? Mais comme tu étais assis devant un peuple digne, face à des hommes qui sont capables de discerner entre le bon et le mal, c'est pourquoi le discours a été très court. Moi, bientôt, ça fait combien de temps je suis là? À peu près 1 heure du temps. Pour décortiquer discours de 3 minutes ou 4 minutes, je crois. Vous comprenez? Attendez, je vais voir, ça fait combien de minutes ici là? S'il vous plaît. Voilà, 49 ou 40 minutes. 40 minutes pour décortiquer discours de 3 minutes. Attends, je vais voir la vidéo en question. Hein? Bon, c'est une femme politique. Et c'est, voilà. Discours de... Je me suis arrêté ici. Voilà. Vous voyez, discours de 3 minutes 30. Et j'ai fait 40 minutes là-dessus. Donc, un tel discours devant un troupeau de moutons pour les faire comprendre ce que maman a dit là, il faut 3 heures. Vous comprenez? Mais elle a résumé ça en 3 minutes. Merci beaucoup, ma très chère maman. Nad'oullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. On prie le bon Dieu. Que Dieu donne la faculté, la bonne compréhension à nos parents du Nord. Enfin de parler des mêmes voix. Enfin de constituer une délégation. Pour aller voir Ouattara, lui poser la question. Qu'est-ce qui n'est pas marché? Levier, qu'est-ce qui n'est pas marché? On veut maintenant le retour de Sorodium en Côte d'Ivoire. Le retour sécurisé. J'ai honte tellement, ça me fait honte. Que la dignité pour laquelle nous nous sommes battus là, c'est ça qui est là. Dom sera en exil sur Ouattara. Si je parlais d'une manière, je vais insulter tous les Djoulas. Parce que moi-même là, je ne sais pas parler. Quand je suis en colère là, je ne sais pas parler. C'est-à-dire, Dom Sourou à Chapelle, Ouattara voulait tuer Dom Sourou. Il s'est retrouvé en exil sur Ouattara. Après ce que nous avons fait, remets-toi en cause. Demande pardon à Allah.
et au peuple ivoirien et à son excellent Laurent Gbagbo et ensuite va t'adresser à Ouattara. Voici ce que je demande à mes parents du Nord. C'est pas compliqué. Merci beaucoup ma très chère maman. Que Allah veille sur toi. Que Allah te protège. Que ton message soit la veille de conscience de tout le Grand Nord à l'endroit d'Alassane Ouattara. Une délégation s'impose à vous aujourd'hui. On peut continuer à demander le retour de Sorodjom, le retour de Sorodjom. On a demandé la libération de Peter ici fatigué. Ouattara n'a pas écouté quelqu'un. Quand lui-même son temps est arrivé, il a libéré. Le coup africain des droits de l'homme et du peuple a demandé à Ouattara d'abandonner le poursuit contre Diom Soro, il a refusé. Vous comprenez? On va continuer à demander le retour de Soro à Ouattara Sangaba. Ouattara veut voir une délégation en bas de son pied au palais, comme le papa de Amon Tano l'a fait là. Et nos parents ne vont jamais faire ça. Je ne vous demande pas d'aller vous mettre en genoux comme des petits hommes devant Ouattara pour demander le retour de ce renom. Ouattara, ce qu'il attend de vous, une délégation au palais, en bas de son pied. Ne vous couche pas. Allez-y le voir. Il est assis, vous êtes assis. Posez-lui la question. Forum de réconciliation, en 2002, Laurent Gbagbo, on a vu. Les peuples du Nord sont venus. Nous avons posé la question à Laurent Gbagbo, qu'est-ce que Ouattara t'a fait? On a posé la question à toute la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Ouattara vous a fait? Les vidéos sont là. Allez-y voir Ouattara. Levez-vous. Allez-y voir Ouattara. Posez-lui la question, il n'y a qu'un problème. Soro t'a fait quoi? Je regarde mon peuple aujourd'hui, ça là, il ne peut pas faire. Il n'y a qu'un problème. Le grand nom ne peut pas constituer une délégation pour aller voir le dieu Draman. Ça là, on ne peut pas faire. Pour lui demander, Ouattara, on est venu te voir. J'ai la vidéo des chefs de canton de Ogené ici, qui ont pris la parole, qui ont posé la question, qu'est-ce que Ouattara vous a fait? Les Bousmani, là, ils ont posé la question à tous les Bousmani de la Côte d'Ivoire. Ils ont posé la question à Laurent Gbagbo. J'ai la vidéo des blogs ici. Je vois des gens défiler devant les gens ici qui font pitié. On est venu défendre notre fils. Si Aben Gourou envoie son fils, si Boaké envoie son fils, la vidéo est là. Les vieux de Odiné, ils ont posé la question à Gbagbo Laurent, qu'est-ce que Ouattara vous a fait? Qu'est-ce que Ouattara a fait à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Ouattara a fait au Bousmani? Ils ont posé la question. Les vidéos sont là. Ah bébé, hein? Vous comprenez? Chers parents du Nord, à travers sortie de maman, le pitié connaît, levez-vous, joignez-vous à elle. Une délégation des chefs de canton, des chefs de village, des chefs religieux, exclusivement nordistes, hein? Une délégation s'impose à vous. Allez voir le dieu Draman. Posez-lui la question. Qu'est-ce que notre fils Soro t'a fait, Ouattara? Il va vous expliquer qu'est-ce que Soro a fait. Et ensuite, vous prenez ce que Ouattara a dit, vous regardez. Si c'est valable, si c'est quelque chose de vrai, vous essayez de régler ça. Et lui dit de faire retourner Soro. Aucun paradigme de dignité, aucune mère digne de dignité peut s'asseoir regarder serpent en train d'avaler son enfant sans réagir. Athée. Aucun père, aucune mère dans ce monde peut s'asseoir regarder le serpent en train d'avaler tous ses enfants, un à un, sans réagir. Il n'y en a pas. Ou soit c'est la malédiction de Dieu, sinon la maman où le père va se lever pour trouver une solution comme étrangler le serpent pour ne pas qu'il avale tous ses enfants. Elle va se battre par tous les moyens en tapant le serpent pour qu'il laisse son fils. Vous comprenez? Et lorsque tu ne peux pas frapper le serpent pour qu'il laisse ton fils, on te dit, si tu envoies un poulet,
Que serpent va poulet là? Il laisse ton fils, il va prendre le poulet. Va chercher le poulet, viens donner à serpent là pour qu'il laisse ton enfant. C'est ce que nous on a pris. C'est ce que nous on a été élevés. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, je suis dépassé à tous les niveaux de voir nos parents sont assis. Ils soutiennent Ouattara dans tout. J'ai des vidéos ici, là. Je ne peux pas vous montrer. J'ai un album complet, plus de 22 vidéos ici. La condition de vie du peuple du Nord sur Alassane Ouattara. L'album là, ça s'appelle comme ça. Sur Ouattara. On dit oui, Ouattara n'est pas président du Nord, il est président de tous les Ivoiriens. Mon frère, tu as raison. Mais c'est le Nord qui a pris les armes pour lui. Vous comprenez? C'est le Nord qui a pris les armes pour lui. S'il ne peut rien faire pour le Nord, les enfants du Nord, il ne doit pas les mettre en prison, contre en exil. Je ne suis pas un maudit, un analphabète, oui, mais pas un illettré, pas un animal, pas un mouton. Vous comprenez? Je sais d'où je viens. Je sais où je suis quitté. Et je sais où je m'en vais. Je sais où je finirai. Vous comprenez? Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi ce soir. Merci beaucoup à toi, ma très chère maman. Je suis tombé sur cette vidéo, je ne pouvais pas m'en passer sans te rendre hommage. Merci beaucoup. Félicitations. Que Allah mette sa main sur toi. Qu'Allah te protège. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi ce soir. On sera demain, Inch'Allah. Bonne soirée à vous. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite le retour de tous les exilés en Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la libération de tous les prisonniers, en particulier sur Toussoul, le prisonnier des générations et du peuple solidaire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Que Allah vous protège. Très chère maman, que Dieu mette sa main sur toi. Que Dieu te protège. On sera demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum.